Chers amis, le dernier coup de marteau numérique de la vente soutien à l'artiste vient de tomber et au nom de tous les organisateurs du magazine Artension, du salon Pulsar, du centre d'art CCCOD et de la fondation Taylor, nous tenions à vous remercier et à vous féliciter. C'était une vente fleuve, inédite. Vous avez été 1400 artistes à nous faire part de vos propositions. Nous n'avons pu retenir que 500 œuvres qui ont été vendues aux enchères électroniques sur ce site rouillac.com. 1350 personnes se sont inscrites pour participer à ces enchères. Et aujourd'hui, il est le 6 mai, 15h, les enchères sont terminées. Plus de la moitié des œuvres ont été vendues, 258 très exactement, pour un montant total de 212 000 euros. C'est phénoménal. Nous sommes très heureux que cette somme exceptionnelle de 212 000 euros puisse retourner directement dans la poche des artistes et des créateurs, puisque nous avons tous œuvré sans aucun frais à 100% pour les artistes. Et sur ces 212 000 euros, les premières œuvres de la vente qui ont été offertes par de grands noms, artistes généreux, un fonds de soutien qui est hébergé bénévolement par la Fondation Taylor, eh bien 86 000 euros sont réunis pour le fonds de soutien à un artiste, ce qui représente 86 bourses de 1 000 euros chacune, dont les modalités de distribution sont publiées dès maintenant sur le site de la Fondation Taylor pour que tous et toutes puissent participer. Et cela n'aurait pas pu avoir lieu sans la générosité des galeristes, des artistes et des collectionneurs qui ont abondé très généreusement ce fonds. Merci donc à Artension et à Françoise Monin qui a été exceptionnelle pour l'animation de cette vente aux enchères au profit des artistes. Merci à Lucien Rémy du salon Pulsar au Mans, à Isabelle Rayer du CCCOD, de la Fondation Taylor, de son président Jean-François Larieux et de tous les partenaires qui nous ont rejoints dans cette vente au profit des artistes et des créateurs vivants. Et cette vente n'aurait pas reçu un tel écho, un tel succès sans le relais extraordinaire de la presse. Et il faut remercier en particulier, ce serait difficile de citer tous les noms des médias qui nous ont suivis, vous les retrouverez dans la rubrique Revue de presse sur le site rouillac.com qui leur est consacré. Et je veux remercier en particulier le journal Le Monde, la radio France Inter, France Télévisions qui a participé avec enthousiasme, mais aussi Connaissance des Arts, La Nouvelle République, TV Tour, The Art Newspaper et j'en passe. Bravo à vous, merci. Et puis, s'il vous plaît, continuez d'acheter des œuvres d'art. C'est la meilleure manière de soutenir un artiste. Les galeries d'art, les ateliers vont réouvrir avec le déconfinement. Visitez-les, soutenez les artistes, achetez des œuvres d'art. Abonnez-vous au magazine Artension, bien sûr. Consultez-nous si vous souhaitez des journées, des expertises gratuites. C'est notre métier, nous le ferons avec plaisir. Mais si vous voulez poursuivre l'esprit de cette vente, vous pouvez aussi envoyer votre don pour le fonds soutien à un artiste directement au profit de la Fondation Taylor. Et puis, vous avez été très nombreux, artistes, suiveurs, amis de loin à nous suivre sur les réseaux sociaux. L'acheteur du tableau de Combas nous appelait de l'étranger pour plus de 24 000 euros et c'est sur Twitter qu'il a découvert la vente. Alors, vous qui nous suivez sur Facebook, sur Google, sur Instagram, sur Twitter, si vous voulez nous remercier, allez poster un avis positif sur les comptes de tous les organisateurs et des partenaires de cette vente. Les râleurs, on les entend souvent. Si vous êtes content, dites-le, ça nous fera chaud au cœur. Et pour terminer cette vente exceptionnelle, je veux souhaiter le meilleur, le succès pour les artistes dans les temps à venir. Vous remercier les uns et les autres et vous rappeler cette phrase merveilleuse, cette pensée d'André Malraux, le chemin le plus direct de l'homme à l'homme
c'est l'art. Merci et à très vite.